La maison Mazet, en fait, a été créée en 1903. Il s'agit d'une entreprise familiale, artisanale. Le métier de base, c'est le chocolat et la confiserie. En 1636, a été inventé un produit qui s'appelle la praline, que vous voyez ici, qui est une recette très particulière. C'est une amande grillée, caramélisée, dont nous détenons le secret de fabrication. Cette fabrication a été inventée sous le règne de Louis XIII. Depuis effectivement cette date et la création de notre marque, nous perpétuons la fabrication selon la même tradition qu'au XVIIe siècle. Fort de cette expérience, la maison Mazet de Montargis, qui se trouve dans le centre de la France, a décliné tout son savoir-faire autour du travail de l'amande et de la noisette. Concernant toutes nos confiseries, on exerce notre métier à la fois de confiseur, c'est-à-dire que l'amande et la noisette sont prises crues, on les reçoit crues, et nous les travaillons, on les grille, on les torréfie, on les caramélise ou non. Et fort de cela, ensuite, puisque nous avons une collection très variée, je vous présente le colorama, nous exerçons ensuite, nous enrobons ensuite toutes nos noisettes et nos amandes avec une recette bien particulière, soit de chocolat au lait, soit de chocolat blanc ou de chocolat noir. Au-delà de ce savoir-faire purement de confiseur, nous avons effectivement développer toute une gamme de produits et d'assortiments, puisque notre maison est spécialisée justement dans les gammes et les collections cadeaux, en particulier pour les boutiques de déco. C'est pour cette raison principale que nous sommes ici présents au salon Maison et Objets. Au niveau de l'export, nous avons aussi une activité, puisque nous travaillons actuellement avec 36 pays dans le monde. La plupart de nos clients achètent effectivement les pralines en grande majorité et aussi les étuis spécialités qui existent à la fois en 100 grammes et en 200 grammes. Est-ce que l'on exporte en Russie? Oui. Nous exportons aussi en Russie.